Il y a une très jolie jeune femme qui est avec nous autour de cette table quand même, et on est là, on l'ignore. Bah ouais. Anggun, ça va? Alors, Anggun, il y a quand même une actualité surréaliste. Ah, c'est nul comme vanne. Il y a une actualité... Non, c'était pas une vanne. Il y a une actualité surréaliste pour Anggun. Si. C'est que Anggun, généralement, les artistes qui viennent nous voir vont faire un concert, une série de concerts. Eh bien, Anggun va chanter. Il y a un suspense, là. Ouais. Le 2 décembre. Ah, oui. Ah bah si. Mais oui, c'est vrai. Ah bah si. Comme le ça, 2 décembre, Anggun va chanter devant Benoît XVI au Vatican. Eh ben. Un concert privé. Accroche-toi, Benoît XVI. Et j'ai peur qu'il soit obligé de sortir sa soutane la plus large, là, quand même. Il y a des chances. Tu le couperas pas, ça, hein. Soutane la plus large. Je vais essayer de la faire plus sobre, mais j'ai peur que vous le tuiez, Anggun, si vous dansez comme ça devant lui. C'est la soutane tente de camping. Ça, voilà. Mais vous allez pas danser comme ça devant le pape. Non, mais surtout, je vais pas habiller comme ça. C'est pas la première fois que tu chantes devant le pape. Non, ça va être la deuxième fois. La première fois, donc, c'était pour Jean-Paul II. Hein? Jean-Paul hein? Polo. Celle-là. JP2. Voilà. C'est plus impressionnant que 2 quand même. Ah, c'est l'étape du dessus. Hein. Ça le fait. Non, mais en fait, c'est un concert qui est donné par le Vatican. Chaque Noël, ils font un concert, donc ils invitent des artistes internationaux. Et donc voilà, il se trouve que ça fait la deuxième fois. Je suis très contente. Ah, et là, bah, je vois bien. Mais alors comment, il était bon public, Jean-Paul? Jean-Paul II. Malheureusement, pour ce concert-là, il n'était pas présent. Parce qu'en fait, il était déjà très, pour lui, très malade. Il avait ses enfants. Non, mais par contre, il y avait des cardinaux, il y avait... Alors, je repose la question, les cardinaux étaient-ils bon public? Oui. Enfin, c'est vrai que c'est rare de voir les cardinaux faire... C'est vrai, c'est rare, quoi. C'est pas... Il lance le truc, c'est... Non, c'est mon chapeau que t'as rattrapé. Non, mais c'est étonnant quand même. Et alors, comment ça se passe? C'est le Vatican qui appelle? Oui, en disant, on aimerait bien vous avoir pour chanter. Tout à fait, exactement. Donc après, normalement, on a le droit de voir le pape le jour avant. Donc on a le droit de rentrer dans le Vatican, bien entendu. Donc ça, ça va être une expérience assez... C'est meublé comment, le Vatican? C'est assez sobre. C'est dépouillé, je crois, c'est sobre. C'est du mobilier assez zen, je crois. Ouais. Oui. Et alors, il y a un petit peu de trac ou pas, juste avant? Un petit peu de trac? De trac, oui. De drague. De trac. Mais je sais pas, je suis pas encore allée. Mais la dernière fois, en fait, c'était assez sympa, puisque finalement, je chantais avec l'orchestre philharmonique. Ah oui. Et c'était très, très... Voilà, ça donnait très, très joli spectacle. Puis je ne sais pas comment les choses vont se dérouler cette année. Et alors toi, en tant que tu es du musulmane, là, dans ta religion, ça te fait quelque chose d'aller chanter devant le patron de tous les chrétiens du monde? Ça fait partie d'une des représentants de Dieu sur Terre, j'imagine. Et non, je pense que ça va être assez émouvant. Même si je suis musulmane de naissance, j'ai grandi dans le catholique. Mmh. Je suis allée à l'école catholique. Et donc voilà, non, mais je pense que... Il y aura ma belle-maman, je pense qu'elle va être contente. Et après, il y a un after ou pas? Non, il n'y a pas de... Non, c'est pas le genre. Non, c'est pas le genre à faire des crazy after. Pourtant, il y a toujours des after après les showcases. Oui, mais non, je pense que là, c'est couché à 21h30. Hein. Je pense que ça devrait pas durer très tard. Hein. C'est à quelle heure? Mais je sais pas. Ah, c'est peut-être un minuit, 2 heures, c'est peut-être un truc de fou, on sait pas. C'est peut-être un concert à goûter, hein. Eh bien, en attendant, puisque je disais tout à l'heure, je ne disais pas ça en l'air, je disais que le pape regarde peut-être cette émission. Donc, est-ce que nous pourrions peut-être mettre, je sais pas, une caméra en direct du Vatican? Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles? Est-ce qu'on pourrait être connecté, s'il vous plaît? Je sens que ça va être très fort. Je me vois dans la télé. Ah oui. C'est assez... Oui. Eh bien, écoutez, est-ce que... C'est vrai que c'est meublé simple. Ah ouais, c'est spartiate. Hein. C'est meublé sobre. Hein. Est-ce que
Attendez, nous sommes connectés. Alors à partir de maintenant, plus de... Votre bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Votre sainteté, est-ce que vous nous entendez? Vous, très bien, vous nous entendez très bien. Est-ce que vous aimez la musique d'Anggun? Bien, est-ce que vous aimez un peu faire la fête? Ça vous fait quoi quand vous écoutez Anggun? Marrant, on dirait Alexia Laroche-Joubert. Alors, vous êtes beaucoup plus faite que ce qu'on pensait. Vous aimez la musique, je crois, hein? Vérifions. 3, 4. Pas facile. Doucement, pas trop, doucement quand même, je sais, donne envie de bouger, je sais. Merci. Eh bien, le 2 décembre, oui, elle chantera là-bas, et l'album d'Anggun, Luminescence, il est...